I've just realized a childhood dream, my friend. Oh yeah, a childhood dream. Ça faisait un moment que je vous ai pas parlé de la van life. La van life qui fait rêver. La van life où tu te réveilles avec un paysage de rêve. Celle où ton jardin est différent tous les matins. Celle où tu poses ton véhicule, qui devient ta maison à l'instant même où tu tires le frein à main. Et où tu pars découvrir ce qui t'entoure. Et c'est là que tu te rends compte de la chance que tu as. Tu te rends compte qu'au final, ben les limites, elles n'existent pas trop. Parce que où que tu sois, tu es chez toi. Tu te rends compte de tout le sens que prend la van life. Tu te rappelles pourquoi tu as fait ce choix que beaucoup ne peuvent comprendre. Et tu kiffes. Aïe! En pleine nature ou dans une ville, mon objectif premier quand je voyage est de découvrir, d'en apprendre plus et surtout de profiter de chaque instant. Vous l'aurez compris, j'ai eu la chance de découvrir le Mont Saint-Michel, monument français. Et j'ai surtout eu la chance de le découvrir en one wheel. Le one wheel, comme tu as pu le voir, c'est une planche équipée d'une grosse roue, d'un moteur électrique qui te permet de te déplacer sur presque tous les terrains. Ouais, sur tous les terrains en fait. Inspiré du skate, du snow et du surf, on retrouve ses sensations sur ce concentré de technologie. C'est le compagnon idéal pour Polo, car je peux accéder à tous les endroits possibles et imaginables avec des petites sessions de ride plutôt sympas. Comme sur la route qui mène au Mont Saint-Michel. Entre nous, elle est tellement plate que ça la glisse tout seul. On se croirait sur de la neige. Enfin bref, ça fait vraiment du bien de retrouver des petites sensations. Et je peux vous dire que je n'ai qu'une hâte. C'est de partir à l'aventure avec ce combo parfait. One wheel et polo. Le one wheel, c'est aussi, à l'image de tous les sports de glisse, un moyen de rencontrer du monde. Et de rider tous ensemble. C'est un énorme vecteur de partage et de kiff. C'est d'ailleurs ce qui nous est arrivé avec Sébastien. Ambassadeur Ride à Lyon. On l'a rencontré avec David pendant une petite session et on a tout de suite sympathisé. C'est ça qui est bien si t'es tenté par ce petit bijou de One Wheel, c'est que tu peux tester avant d'acheter, notamment avec Seb.
J'ai énormément d'idées pour cette chaîne, alors si tu veux m'aider à les réaliser, rejoins-moi dans mon projet. Boum! Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de mettre un pouce en l'air si elle t'a plu et surtout de me donner ton avis en commentaire. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures et surtout, que tes rêves viennent.